Alors, le jeu est en anglais, hein, comme d'habitude. On va partir sur une traduction des familles. 10-21. Ah, peut-être la date. 10-21, c'est quoi? 10 octobre 2021, peut-être? Alors, comment ça se joue? Je rentre à la maison tard. Bon, je vais traduire, hein, vous connaissez, hein, comme d'hab. Je vais traduire ce jeu. Donc, je rentre à la maison tard. Il fait noir ici. J'ai besoin de rentrer à la maison très rapidement. Ok. Oh, on a une lampe torche dès le début, tiens. Ah, j'aime bien. On n'est pas obligé de d'aller la chercher, la lampe. Ok, bon, bah écoutez. Donc on rentre du travail, il faut qu'on rentre chez nous, il est tard, il fait nuit et on n'est pas en sécurité. Ok. What? Attends, il y a un panneau qui t'indique qu'il y a des gens suspects dans ces rues? Bah ça m'en confiance, c'est bien. Coucou Flamia. Ouais, 21 octobre, ça doit être ça. Oh putain. C'est elle la femme en rouge, non? Oh là là. Attends, 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 attends. C'est elle? Pourquoi on dirait un homme? Pourquoi elle s'arrête? Madame, circulez s'il vous plaît. Mais elle a des bras d'homme. Elle l'écrose. C'est un homme, non? Oh putain, la tête. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent. Ok, on continue. Alors du coup, est-ce que c'était elle, la femme en rouge? Oh, il y a des corbeaux, regardez. Il y a des corbeaux! Regardez, vous êtes là! Les creuses! Vous me protégez. Ah, c'est ça la fameuse cabine qu'on a vue dans l'écran titre. Ok. La personne de tout à l'heure. Elle m'avait l'air assez dangereuse. J'ai peur, je dois rentrer à la maison très vite. Bah, on y va, on y va, on y va. Encore un panneau. Oh, il y a une poupée. Prohibition of illegal dumping. Alors, dumping, je sais pas ce que ça veut dire par contre. Bah c'est sympa le quartier là. Oula, c'est quoi ça? C'est qui lui? Merde, je me suis trompé. J'allais mettre ça. What? Alors, soit il y a deux possibilités. Soit il est en train de taper son jogging, ce que je peux comprendre. Soit il a eu peur de quelque chose. Et il a couru vers nous. Trompette pour sa course. Il y a des corps dans la poubelle. Attends, quoi? Sarah, arrête tes conneries. Non, c'est pas des corps quand même. C'est illégal de jeter ses déchets selon le panneau. Ah, ok. Ok. Moi, je l'aime bien cette rue. Il y a de la bouffe. J'ai faim. Ah non, il y a que à boire là. Ah, il y a que à boire. Dommage. Eh, j'aime bien l'ambiance en vrai. Hein. Putain, ça a l'air cool.
Vu le nombre de mouches, ça pourrait être des corps, oui. C'est pas faux. Merci Lyon qui offre un abonnement à qui ? À Sarah. Oh là là, le boss. Merci beaucoup. Merci Lyon. Mais c'est... Ouais, mais par contre, c'est très glauque. Enfin, c'est le genre de... C'est un peu le genre de rue... Quand tu vois personne comme ça. En pleine nuit. Ça vous est déjà arrivé, vous, dans la vraie vie ? D'être comme ça, de marcher sur le trottoir, dans une rue à peine éclairée, et y a personne. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Marcher comme ça, là, t'es tout seul. Tu sais pas ce qui t'attend. Plein de fois aussi. Salut Justine. Oui, ça m'est arrivé souvent. Ah, ok. Ah, mon appartement est là. Ok, faut qu'on monte. Très bien. Bah écoutez, pour l'instant, à part une femme en rouge... Et un mec qui nous a couru dessus. RS, hein. Oh, c'est tellement calme, y a pas un bruit. C'est suspect. C'est tellement angoissant, ça m'est arrivé aussi. Bah ouais. Il y a un mec qui est en train de nous suivre. Mais je crois que c'est notre voisin. Il est rentré là. Oh, je me retourne. Je vois un gars arriver. Avec une capuche. Ok, c'était le voisin, ça va. Bon, la femme en rouge, elle est pas là. Hein. Allez, on rentre. Elle était bodybuildée, la femme en rouge. Ok. Oh, c'est étrange. J'imagine que j'ai oublié d'éteindre la télé. Oh, attends. S'il y a un squatter chez nous qui vit dans le plafond et qui sort du plafond quand on n'est pas là pour regarder la télé, je vais péter mon crâne. Hein. Je suis fatigué. Je vais aller au lit aujourd'hui. Bah très bien. C'est bizarre, la télé elle était allumée quand on est rentré chez nous. 10h24. 3 jours après. Oh putain, c'est reparti! Oh les cons. Ah, ils nous refont jouer le... La route. Ah par contre, j'ai l'impression que l'effet là, il est beaucoup plus accentué. Ok, je vais tracer. Oula. Y'a des bruits! Moi je cours, hein. Attends! Oh putain. Ah! Putain, il m'a fait peur ce con! Mais marche pas aussi vite, gros, putain! Police. Je suis de la police. Eh, on les connaît les flics dans les Chillas Art. Hein. C'est pas des bons, hein, les creuses. C'est eux les méchants. Les flics, c'est les méchants dans les Chillas Art. Bon, je lui fais pas de confiance. Qu'est-ce que vous faites là à cette heure tardive? Je rentre à la maison. À cette heure de la nuit? Vous êtes suspect. Mais vous n'avez pas l'air de mentir. Je peux le voir par ton visage.
En attendant, est-ce que vous faites toujours ce chemin seul? I always go this way on days when I have. Ok, il prend toujours ce chemin pour rentrer chez lui quand il a de la lecture à l'université. Est-ce que vous avez pris ce chemin il y a 3 jours? Bah oui. Pourquoi vous me demandez ça? Oh là là, attends, il va parler de la femme en rouge. There was a murder. What? Il y a eu un meurtre ici il y a 3 jours? Les victimes étaient un couple. Ok, le tueur a d'abord tué la femme dans son sommeil. Elle a tué son mari. What? Oh, les grosses, les poubelles. Avec les mouches. C'était ce jour-là. Vous aviez peut-être raison, hein. Quand on est passé devant les poubelles avec les mouches, c'était le jour où il y a eu les meurtres. À tous les coups, c'était les corps. Putain, vous aviez raison. Ok, le corps était dans un très sale état. Vous, est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect en rentrant chez vous? Alors, on a vu la femme en rouge et on a vu quelqu'un courir. Est-ce que ça peut être des éléments de l'enquête? Ah bah voilà. J'ai vu une femme en rouge, j'ai vu quelqu'un courir. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? L'homme qui court ou la femme en rouge? C'était lequel le plus suspect des deux? Bah, j'aurais dit le gars qui court aussi, hein. Ouais. Je vais prendre l'homme qui court. L'homme qui court. Peut-être qu'il peut être un important sujet pour l'affaire. J'aimerais en entendre plus à propos de ça plus tard. Il est déjà très tard aujourd'hui, donc rentre chez toi. On en parlera plus tard. Waouh. Merci, monsieur l'agent. Bonne journée, enfin bonne nuit. Et faites attention à vous, il y a des femmes en rouge qui rôdent. Enfin, oh là. Des femmes bodybuildées, si je puis dire. Donc faites attention. Bonne nuit, monsieur. À prochaine. Pourquoi il me suit? Oh, c'est bon. Ok. Eh ben écoutez. Oh la vache. Il y a eu un bruit de fenêtre. Attends. Il y a eu un bruit de fenêtre. Vite, on retourne voir le flic. Monsieur l'agent! Il y a une fenêtre qui s'est pétée. On va lui dire, non? Ah putain, on peut pas lui parler. Ah merde! Il y a une fenêtre qui vient de se briser. Bah Max, parce que la femme me paraissait moins suspecte que l'homme qui court, tu vois. Un homme qui court en noir dans la rue, c'est plus suspect qu'une femme en robe rouge. C'est pour ça que j'ai dit l'homme. Attends, c'était un coup de feu ça? J'ai cru entendre un coup de feu là, non? C'était le flic? Toshi, tu trouves pas que notre appart, on dirait le même appart que le Chillas Art avec la streameuse? Ouais, ça ressemble, ouais. C'est pas le même, mais oui. Les crosses, on va voir ou pas là? Y a eu un coup de feu. Non, je vais à la maison. Je vais à la maison, je veux pas de problème. Il se passe des choses bizarres dans cette rue. Moi, je vous le dis. Vite.
Des bruits de souliers, c'est la femme. C'est la femme en rouge? Elle est où? Elle est où? J'ai entendu des bruits de talons. C'était derrière moi. Oh, ça me saute à la gueule, putain. Il y a encore des corbeaux. C'est quoi ça? Une flèche. Est-ce que cette flèche est suspecte? Non. Tout va bien. Wow, il y a beaucoup de corbeaux là à la maison. Hein. Ok, go. Eh, j'espère qu'il n'y aura pas l'autre là, notre voisin bizarre là. Toshi, il entend des bruits, il va vers eux. Ça n'a aucun sens. Ok, c'est bon. Ah, je n'aurais jamais cru qu'il y avait eu un meurtre dans mon voisinage. Je ne veux pas repasser par cette route une fois de plus. J'ai faim. Je me demande s'il y a quelque chose dans le frigo. Eh ben, on va aller checker ça, mon pote. Le frigo, il est là. Et il n'y a pas grand-chose, hein. Je peux rien prendre dedans. Là, peut-être. Oh, putain. On a toqué à la porte. Je me fais à manger! C'est qui? Est-ce qu'on peut regarder? On a. Ah, on peut regarder dans l'œil. Ah, ça c'est cool. Y'a personne. Je peux pas bouger. Pour fêter ton retour. Visage festif. Vous avez le don de faire des dons au meilleur moment, à chaque fois. Hein. Vous êtes très très fort. Hein. Merci beaucoup, Brabit. Merci. Merci pour le petit don. Ça fait plaisir. Par contre, ouais, vous êtes très très fort pour ça. Le timing était parfait, mesdames et messieurs. Alors, bon, il n'y a personne du coup là. On a toqué, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de gens. Alors, je vais manger moi. J'ai faim. My stomach was full. Mon estomac est plein. Et bienvenue, Greg. Il est temps d'aller dormir. Ok, bon, on a quand même toqué à la porte. On a un balcon. Ok, allez, dodo. Pourquoi je peux pas dormir? Attends. Je peux pas dormir? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois prendre une douche, non? Je sais pas. Quoi ce bordel? Oh putain! C'est pourquoi? Est-ce que vous êtes un résident récent? Oui, pourquoi? Qui êtes-vous? Tu devrais te méfier. Ah, j'ai vu une femme étrange se tenir devant ta porte plusieurs fois. Ok.
C'est peut-être un gentil, lui, du coup. C'est peut-être un gentil qui nous prévient, non? J'ai cru voir quelqu'un sur notre balcon quand on était au niveau du micro-ondes. Mais quand tu t'es approché, plus personne. Arrêtez, les crozes, arrêtez. Ok, donc en gros, il dit qu'il a vu une femme devant notre porte plusieurs fois. Ça a été vraiment flippant, donc j'ai pensé que je devais te le dire. Bah mec, franchement, t'as bien fait. Ok, c'est tout pour moi. Je vous vois plus tard. En vrai, putain, hey, grave cool, hein. Il nous a prévenu du danger et il se casse. Merci, voisin. Ah, c'est le voisin. Ouais, c'est ça. Ok, bon. On sait qu'il y a une femme qui traîne pas loin. Ok. C'est quoi ce truc? Il y a un truc qui est tombé sur mon balcon, là? C'est un corbeau? Qui c'est qui s'est pas abonné, là? C'est un non-sub, ça. Il s'est pris la vitre. Regardez, il a le nez pété. Quel con. Bon, eh ben, rip. Rip. Les crozes, il faut faire hommage à ce corbeau aveugle, comme moi, qui s'est pété le nez sur cette baie vitrée. Eh, ripé, petit ange. Et Donovan qui offre un sub à qui? À Mélivé. Merci beaucoup, Dono. Merci. Merci, merci. Allez. Dodo. X-21, c'est le jour du meurtre, ça, non? Je crois que c'est le jour du meurtre, ça. Hello? Wife. You. Ah, c'est le couple qui s'est fait tuer. Attendez, regardez, on va voir ce qui se passe. C'est le couple qui... Ah, notre voisin. Notre voisin capuche. Ok, notre voisin capuche est passé. Est-ce que tu as travaillé toute la journée? Oui. J'ai été occupé au travail très tard. Je ne pourrais pas trop rentrer à la maison ce mois-ci. Et sinon, qu'est-ce que tu as fait? C'est tellement rare pour toi de m'appeler. Donc là, c'est le couple qui s'est fait tuer le jour du meurtre. Donc là, c'est le mari qui appelle sa femme. Enfin, l'inverse, la femme qui appelle son mari. Qu'est-ce qui se passe? Femme, j'ai une importante histoire à te raconter. Je voulais t'en parler à la maison, donc viens rapidement. Elle a raccroché. Ah, c'est lui qu'on voyait courir alors. C'est lui qui a couru vers nous, peut-être qu'il devait se dépêcher pour rentrer chez lui. Ça aurait du sens, hein. Ouais, ça doit être ça du coup, ok. Oula. Alors, est-ce qu'on incarne le mari? Est-ce qu'on va vivre le meurtre en direct? I'm home. Oh, c'est ça. Est-ce que ma femme dort déjà? Non, c'est ça, les crozes. Oh putain, on va vivre la nuit du meurtre. Attention. On a une lampe torche. Chérie? Oh putain, il y a quelqu'un qui est passé. Il y a quelqu'un qui est passé. Au balcon. Putain, il courait vite. Chérie, c'était toi sur le balcon tout nu là? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas courir. On va aller à l'étage direct, non?
Mais il y a tellement de portes chez eux! Ah putain, tout est fermé. Une ombre blanche. Ouais, ça n'a pas de sens. Il y a eu un bruit de porte, celle-là? Non? Il y a une porte qui s'est ouverte. Un chat. Il y a un chat. Oh. J'appelle ça du sang. Ah putain, les bruits de plancher derrière moi, mon dieu. Je sens mal. Bon, clairement, c'est pas normal, là. Loul. Il y a du sang partout dans l'appart. Encore des bruits de plancher derrière moi. Ok, je crois qu'on n'est pas seul, clairement. Je crois que nous ne sommes pas seuls. On va remonter. C'est le chat qui a fait un carnage. C'est toujours le chat. C'est peut-être le chat, hein. Oh putain. Il nous a enfermés. Ah non, c'est bon. Il est angoissant, cet appart là. Putain. Et allez, encore du sang. Ah, il y en a beaucoup là. Oh non. Killing me? Ça veut dire oh non, tu rigoles? C'est notre femme? C'est tout? Putain, mais la réaction, elle est improbable. Tu vois ta femme au milieu du lit avec plein de sang sur les murs. Oh non, tu te fous de moi? Oh non, tu te fous de moi? Pas ce soir. J'ai plus de lampe torche, hein. Je vous le dis, j'ai plus. Oh, 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 la femme en robe rouge! Putain, c'était elle. C'était elle, les creuses. Tra bordel. Ah, et du coup, là, c'est elle qui nous harcèle. Attends, attends, on revient au 24, là. On réincarne l'étudiant. Who could have visited me at this hour? Qui peut bien arriver sonner à ma porte à cette heure-là? Bah, tous les coups, c'est elle. Par contre, elle fait extrêmement peur, on est d'accord? La femme, là? C'est pas humain, je crois, si? Non, ça va être elle, c'est sûr. Chérie, on avait dit pas de massacre satanique dans la chambre. Bon, et ben elle est là, la creuse. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a vraiment un corps d'homme, quoi. C'est ça qui me terrifie le plus. Bon. On est d'accord que j'ouvre pas, hein. Putain, elle ressonne, les creuses. Cette femme est folle. Je dois appeler la police. Très bonne idée. Alors, ça a dit qu'ils allaient mettre 2 minutes pour arriver.
Je dois endurer ça pendant 2 minutes. Oh, bordel. Oh, il y a un timer. Oh, vous le voyez pas? Il y a un timer à ma webcam. Faut que je me cache où? Loul. Pardon? Ah, m'a fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Là. Elle est là. Oh, elle vient de péter le... Elle vient de péter le balcon. Chut. Mais elle va me défoncer. Ok, elle check en premier la pièce là. Ensuite elle repart par là. Ok, donc là, je crois que c'est le moment d'y aller. Oh putain. Cours. Non! Oh non! Oh putain, je croyais que j'allais réussir à m'enfuir. Ok, il faut qu'on trouve la bonne technique. Ok. Alors, est-ce que je dois m'enfuir de l'appart ou rester dedans? Je sais pas. Du coup, il y a un timer, vous le voyez pas, il est vraiment derrière ma tête. Donc là, on a 1 minute 50. Il y a 2 minutes en tout. Faut tenir 2 minutes. Bon, je vais essayer de ressortir, mais pas en courant cette fois. Essayer de marcher normalement. Une minute 20, les crosses. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Ces bruits de pas, ils s'éloignent. Ok, on a une minute. Je l'entends plus. Ah si. Merde, elle revient. 50 secondes. Ok, je bouge pas. Je bouge pas. Elle revient. Non, il reste 20 secondes, s'il te plaît. Ouvre pas cette porte-là. Elle est là. Elle est là. 15 secondes. Elle vient de passer devant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, les flics sont là. Les crocs, je sors ou pas? Je sors pas, hein. Non, ok, c'est bon. Ok, bon, je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça. Ok. La femme est partie avant que la police arrive. Je ne sais pas pourquoi elle m'a attaqué. Les semaines ont passé, mais la femme n'est jamais revenue. On n'a jamais plus entendu parler. It's so creepy that I've decided, ok. Ok. Putain, le mystère reste entier, quoi. Les 2 minutes les plus longues avec l'attente de ma livraison de tacos. Oh, attends. Il se passe quoi, là? Bonsoir. C'est la livraison de tacos? Ok. Bad end. Oh non! Oh, j'ai eu la mauvaise fin. Quand elle pète la fenêtre, tu sors par la porte. Attends.
Quand elle pète la fenêtre, tu sors par la porte d'entrée, tu cours dans la rue jusqu'à trouver de quoi te défendre. Me dis pas qu'on va pouvoir la défoncer. Attends, moi je veux voir ça. S'il y a une battle entre moi et elle, je veux le vivre. Attends. Dans la rue, il y a un renfoncement. Au fond de la rue, dans une boîte en carton. Ok. C'est parti. Au fond de la rue, dans une boîte en carton. Bon, Brabic, tu me guides, hein. Je veux que tu sois ma guide. Tu sors tout de suite à gauche et tout droit. Ah, ok. Donc là, tout de suite à gauche ici, bam. Très bien. Ah, j'aurais jamais trouvé. Alors. Toujours à gauche là? Oh. Là? Oh putain. Oh! Merci petite poupée. Ok, on a le marteau. Je peux pas attaquer par contre. Comment je fais? Faut que j'arrive derrière elle. J'ai une minute. Il me reste une minute. Faut qu'on essaie de la trouver. Elle est là. Ok. Oh. Yes! Yes! On aura la good ending. Putain, on l'a assommé. On lui a pété le crâne. C'est ce que j'appelle du self-défense. Ok, nickel. Ah, c'est marrant. J'aurais jamais trouvé. Oh, la femme est morte! La police est arrivée sur les lieux, la femme est morte. Self-défense. Donc, elle a pas été condamnée, parce que bah, c'est de la self-défense. Ok, on l'a tuée. Ah, un mois après l'incident, j'ai déménagé. Je ne voulais pas revivre ça une deuxième fois. Ok, elle a attendu un mois et elle a déménagé. Très bien. Eh ben écoutez. Un bon coup de masse dans la tronche, ça calme, c'est clair. Good end. Eh ben voilà les Crows. Bon, et bah du coup, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je peux pas lancer un autre jeu. Je vais me remettre comme ça. Hop. Bah c'était bien sympathique.